Georges Spino, eh bien, pour nos auditeurs, nous allons dévoiler une technique médicale un petit peu particulière. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes au départ médecin, vous pratiquez déjà l'acupuncture, hein, vous avez fait des recherches sur l'acupuncture, et là, mais là, aujourd'hui, on vous interroge pour la chromothérapie, ou chromatothérapie, je ne sais pas ce qu'on doit dire, voilà. D'ailleurs. Oui, c'est toute la difficulté, effectivement, des termes pour parler de cette discipline peuvent faire un peu sourire, parce que ça fait référence aux couleurs. En réalité, on utilise des photons dans le spectre visible. Donc ça peut être de la photothérapie, de la luminothérapie, de la chromothérapie, de la chromatothérapie. En fin de compte, c'est l'utilisation d'un rayonnement électromagnétique dans le spectre coloré, donc visible par l'œil. Mais on pourrait tout aussi bien utiliser un rayonnement électromagnétique, un peu comme les harmoniques en musique, qui correspondraient aux couleurs visibles, mais dans de domaine non visible. D'ailleurs, il y a eu des recherches qui ont été faites il y a déjà une cinquantaine d'années sur la capacité qu'a l'être humain de percevoir les couleurs non visibles au niveau de la sensibilité dermo-optique. Voilà. Alors parce que c'est ça, en fait, vous en faites voir, de toutes les couleurs à vos patients. Non, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que le rayonnement coloré va provoquer en eux des réactions au niveau central ou au niveau local. Comment ça se passe? Comment la couleur interagit voilà, avec le corps? Donc, l'utilisation du rayonnement coloré, dans le spectre visible toujours, peut se faire au niveau du revêtement cutané, donc sensibilité dermo-optique, ou peut se faire au niveau oculaire. Et là, on aura des actions beaucoup plus psychologiques, c'est-à-dire l'utilisation par les yeux, tout simplement, et la rétine et tout le système visuel, et sinon utilisation directe au niveau du revêtement cutané, que ce soit en plage ou sur des points d'acupuncture, parce qu'il faut bien préciser que cette médecine intégrative est issue de l'acupuncture, c'est-à-dire de la médecine traditionnelle chinoise. Au point de départ, nous étions il y a quarantaine d'années 5-6 médecins, des chercheurs à l'école qui s'appelle l'Organisation pour l'étude et le développement de l'acupuncture. Et c'est après des années et des années de réflexion, nous nous sommes dit que plutôt que d'utiliser une aiguille d'acupuncture qui agissait localement en modifiant l'activité électro-ionique là où était plantée l'aiguille, nous devrions pouvoir utiliser un rayonnement électromagnétique pour obtenir le même résultat. C'est ça le point de départ. C'est comme si on faisait, comme on faisait un peu avec les moxa, avec la combustion, voilà, la chaleur. En fin de compte, quelque part, un moxa, mis à part qu'il émet de la chaleur, mais en fin de compte, le moxa émet lui-même des photons, dans un spectre bien précis. Effectivement, l'idée était là. Et ce qui nous a orientés aussi dans ces recherches, c'est aussi tous les travaux du professeur Nogier, qui est l'inventeur de l'auriculothérapie et de l'auriculomédecine, qui a mis en évidence que des couleurs, des fréquences interagissaient avec le corps. Le professeur Nogier de Lyon qui a inventé l'auriculothérapie et l'auriculomédecine. Alors, quand on vient vous voir pour une pathologie, par exemple, je viens voir pour une tendinite du genou, est-ce que vous allez pouvoir me traiter et comment? Alors, effectivement, donc là je précise toujours, nous sommes médecins et diagnostic. Une tendinite, effectivement, c'est un phénomène inflammatoire, rougeur, chaleur, douleur, on peut traiter en complément. Et on va utiliser une couleur qui est dans le rayonnement électromagnétique du spectre visible, plutôt vers les orangés. Orangés, qui a une propriété anti-inflammatoire au niveau local. Ce que vous pourrez faire sur une poussée aussi d'herpès. Vous voyez, c'est toute la difficulté en chromatothérapie ou en photothérapie, c'est la notion d'analogie. Comme dans toutes ces médecines intégratives, la notion d'analogie. Là, c'est simple. Rougeur, chaleur, douleur, état inflammatoire. L'information véhiculée par une lumière orangée va agir sur la tendinite, mais aussi sur d'autres phénomènes inflammatoires. En fin de compte, la couleur n'a pas d'action en elle-même. La couleur est simplement un message qu'on met localement qui va être décrypté par le corps de la façon suivante. Il y a une inflammation, je suis incapable de corriger cette inflammation, corrige l'inflammation. Je répète,
S'il y a une inflammation qui ne se corrige pas et la tendinite qui perdure, c'est simplement que mon corps ne met pas en marche tout le système pour rectifier cette inflammation. En utilisant la couleur orangée, je dis au corps, répare l'inflammation. Ce n'est pas la lumière en elle-même qui corrige. C'est simplement une information pour demander une réponse du corps. C'est un stimulant, mais alors ça me fait penser un peu. C'est une information. Oui, c'est une information. Ça me fait penser un peu à la luminothérapie quand on se met sous la lumière parce que le matin à 7 heures, quand on est fatigué et on considère qu'on a besoin de se ressourcer, est-ce que c'est le même phénomène? C'est le même phénomène. En fin de compte, on se rend compte de jour en jour. Voyez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que de jour en jour, on se rend compte de l'importance de la lumière, du rayonnement électromagnétique. Vous voyez, sur les biorhythmes, pendant des années, il y a 60 ans, on ne connaissait pas les biorhythmes. Aujourd'hui, on sait que le foie a un biorhythme, que le cerveau a un biorhythme, que le corps a un biorhythme, et que ces biorhythmes sont induits et synchronisés par la pleine lune de printemps. Voilà. Donc, il y a un rayonnement électromagnétique. Et de jour en jour, la vitamine D, qui aurait imaginé il y a 100 ans que l'action du soleil agissait sur la vitamine D? Personne. Aujourd'hui, c'est un fait connu. L'action aussi sur la sérotonine, tous ces phénomènes-là sont de plus en plus connus. Et nous sommes vraiment qu'au point de départ de la connaissance de l'interaction de la lumière sur le corps humain. Je pense que c'est vraiment le point de départ, ces années qui viennent de passer. Voilà. Alors justement, c'est ça le problème, parce que si on veut se faire soigner en chromothérapie, ou du moins avoir des compléments de soins quelquefois en chromothérapie, comment trouver un praticien? Alors en France, la difficulté en France de la chromatothérapie ou de la photothérapie, je dis en France parce qu'il y a des enseignements qui se font en Israël, des enseignements qui se font en Italie et en Suisse. En France, il faut absolument être médecin. C'est une médecine intégrative qui demande un diagnostic avec toute la difficulté du diagnostic et ensuite le traitement. Par contre, dans des pays comme l'Italie, comme Israël ou comme la Suisse, où l'enseignement de la chromato et de la photothérapie se fait, des thérapeutes qui ne sont pas médecins, mais qui travaillent en complémentarité avec les médecins, peuvent utiliser cette discipline, mais sur indication médicale, ce qui ne peut pas être le cas en France actuellement. Et alors, pour nos auditeurs, on les rassure, ça ne fait pas mal, c'est pas douloureux, ça ne dure pas longtemps, c'est pas... Absolument pas. Absolument pas. C'est une médecine non douloureuse, non invasive, et qui a de très très bons résultats par rapport, j'allais dire, à l'acupuncture où il y a un traumatisme avec l'aiguille et qui peut créer une certaine peur. Là, absolument pas. Vous voyez, c'est pas douloureux et très très efficace. Et alors, si on veut en savoir plus, est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller? Il y a beaucoup de livres sur la photothérapie, la chromatothérapie, mais les uns comme les autres sont très peu intéressants. Et nous attendons le vôtre alors. Pardon? Nous attendons le vôtre alors. Voilà, je pense qu'il faut quelque chose de sérieux parce qu'actuellement, comme vous pouvez le voir sur les étalages des libraires, que ce soit par internet ou partout, la couleur est à la mode et on trouve un peu de tout et de n'importe quoi. Voilà, c'est très empreint d'ésotérisme, de mysticisme, de symbolisme, j'allais dire presque de chamanisme, mais pas d'une façon péjorative. Mais le côté médical, il n'y a pas de livres vraiment médicaux sérieux actuellement sur la chromatothérapie. Eh bien, alors mon livre est en élaboration. Eh bien, voilà, ben on vous réinterrogera ou on vous réinvitera à l'antenne. Merci beaucoup, docteur Spido, et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci à vous. Merci.